Après, il leur dit, après que le shaitan, il a mis ce qu'il a mis entre moi et mes frères. Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit ça pour dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, c'est pas seulement vous qui êtes responsable de l'erreur qui a été commise. C'est le shaitan qui était entre nous. Voyez? Et là, son père, au début de la sourate, son père, il lui dit, ne raconte pas ton rêve. Pourquoi? Parce que ce que dit le prophète, si vous devez gérer vos affaires, faites-le discrètement, d'une manière discrète. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a un bienfait qui descend sur vous, hein, vous avez des jaloux autour de vous. Et donc, des fois, les jaloux, c'est qui? Les jaloux, c'est les amis à toi, ou bien c'est les gens les plus proches de toi. Vous voyez, les gens les plus proches. Pour revenir à la langue arabe, regardez, hein, la subtilité de la langue arabe et comment Allah subhanahu wa ta'ala, quand il utilise les termes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand il parle des femmes, hein, « Alima annakum kuntum takhtaluna anfusakum » fi surat al-Baqarah. Il dit « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun » Ok ? Donc c'est un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et elle t'aura pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Vous êtes un vêtement pour vos femmes et un vêtement pour elles. » Pourquoi le vêtement ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple par le vêtement ? On vous dit, regardez, hein, on vous dit que le vêtement, il sert à quoi ? À vous protéger. Le vêtement, il sert à cacher vos défauts. Le vêtement, c'est l'élément qui est le plus proche de votre corps. Le vêtement, quand vous le mettez, le vêtement, c'est, il est à votre taille. Tu ne mets pas du 40 et tu achètes un pantalon 50. On est d'accord. Si tu mets du 40, tu achètes du 40. Tu ne mets pas de 50. Donc quand tu choisis ta femme, ou quand la femme a choisi le mari, choisis-la à ta taille. Ok ? D'accord ? Vous avez compris à ta taille, hein ? Il ne faut pas que tu fasses 1m80, il faut qu'elle fasse 1m80. C'est pas ça, hein ? Ok, les frères ? Ok. Mais regardez la subtilité de la langue arabe. Regardez comment c'est beau, subhanallah, le Coran. Et le problème, c'est ce que je vous dis toujours, les frères, c'est que nous, on a le Coran et on passe et l'un est d'abord le Coran. On ne comprend pas. Alors que dans un mot, quand Allah subhanahu wa ta'ala utilise un terme, un mot, hein, regardez le sens qu'il y a, tout ce qu'il y a derrière, subhanallah. قَالَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ. Ok. Dès qu'il raconte le rêve à son père, il lui dit, fais attention, tes frères, ils sont en train de comploter contre toi, et ils peuvent être tes ennemis. Et là, le lama Apollon, il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux, hein, la personne que le père comme il connaît ses enfants. Tu ne peux pas la jouer à ton père, sachez-le ça, les jeunes. Ok.
tu peux jamais la jouer à ton père. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran dit الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ceux à qui on a donné le livre, ils connaissent le livre comme ils connaissent leurs enfants. Ton fils, tu l'as connu bébé, tu l'as connu depuis son premier jour, et tu l'as vu grandir. Et quand il arrive à 17 ans et 18 ans, il pense te la jouer. Comme si toi, tu es arrivé à la vie à 50, tu vois. C'est-à-dire que tu es arrivé à 50, il était tout, c'était 50 ans là, tu vois. C'est, tu les as pas vus, tu as pas vécu en fait. Et c'est ce qu'il pense le gamin. Quand il a 16, 17 ans, il essaie de la jouer à son père. Et je suis passé par là où tu es passé déjà, et en plus, moi je t'ai vu grandir. Donc, ne la joue pas à ton père, ok? Donc, quel que soit ce que tu veux cacher à ton père, il le sait. Alors, قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. Ah, يلتقطه بعض السيارة. Et on a dit dans ce verset que des fois, même dans le malheur, hein, même dans le complot, tu trouveras toujours des gens qui ont des idées lumineuses. Okay, qui te donneront des idées pour mieux faire ton complot. Toujours. Okay. Et puis, وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Après avoir fait ce que vous avez fait, ce que vous allez faire, c'est-à-dire tuer Joseph, après vous vous repentirez à Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ الْعُلَمَا أَشَدُّ الْجَرَائِمِ. Le plus grand des crimes, c'est lorsque tu penses que tu vas te repentir après. Le plus grand des crimes, c'est quand tu penses que derrière ce que tu vas faire, tu vas te repentir, tu vas revenir à Allah. C'est pas grave. Wallah, ayyuha al-ikhwa, wallah, je jure par Allah, il y a des frères à la mosquée, à Marseille, qui me disent, c'est pas grave, je fais un crédit, je monte mon commerce, et après, je rembourse le crédit, je vais à la Mecque. Ok, je vais à la Mecque, je vais me laver. Subhanallah. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, non, tu veux faire un crédit, na'am, il halal. Tu veux pas un crédit avec intérêt, pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, haram alayk. C'est, tu es en train de te mettre dans une spirale qui n'est pas, ok? Alors, وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَةِ الْجُبِ. Donc on a dit, et quand ils se sont réunis tous pour le mettre dans le puits, on a dit, des fois, ok, vous avez la majorité des gens, لَا تَغُرَّكْ. Vous avez la majorité des gens qui se mettent d'accord sur الظَّلَلْ. Ok, فَلَا تَغُرَّنَكَ الْكَثْرَةِ. Ensuite, quand ils sont venus voir leur père, le soir même, quand ils ont jeté leur frère dans le puits, ils ont ramené la tunique, ils ont jeté leur frère, ils sont venus pleurer. On vous dit, ihdar, hein, c'est pas parce que le gars il vient pleurer chez toi qu'il a raison. C'est pas parce que le gars il vient pleurer chez toi que maskin, ok? Des fois tu vois quelqu'un pleurer dans le métro ou pleurer devant le truc de la gare, il te dit j'ai rien, mais c'est un menteur, ok? Donc c'est pas parce que quelqu'un il pleure qu'il a raison. Fais attention, même ceux qui ont commis un crime de tuer leur frère, ils viennent pleurer chez leur père, ok? Ils sont venus avec sa tunique, avec un sang, un faux sang en fait. Ils ont tué une bête, ils ont dit c'est le sang de Joseph. C'est-à-dire que travestir les vérités, c'est depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas si vous suivez les actualités, ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. C'est depuis la nuit des temps. Ils font des attentats et tuent des policiers pour dire que les musulmans ont tué, les frères musulmans ont tué des policiers. C'est exactement, pour ceux qui connaissent ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On tue des gens, des petites gens, des gens du peuple, ok, pour retourner le peuple contre des gens, et on leur fait porter le chapeau. Et on dit, c'est le Jama'a, Fulani, etc. C'est classique. C'est classique ce qu'ils sont en train de faire. Et quand on veut mettre une loi en place, qu'est-ce qu'on fait? On fait un attentat. Voyez? Et l'attentat, souvent, il est téléguidé, les frères. Hein, il est téléguidé. Et on accuse qui? On accuse les musulmans. Toujours, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ce qui est en train de se passer en Égypte, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. Pour ceux qui connaissent la crise algérienne, c'est exactement ça. Ils vont tuer les gens et ils disent que c'est les musulmans qui les ont fait. Toujours. Tazwir al-Haqqaï. Surat Yusuf, elle nous apprend ça. Depuis la nuit des temps, hein, on tue et on vient dire, regardez, c'est le loup qui l'a tué. Subhanallah. Ok? Donc on a parlé de tout ça. C'est quand la caravane est passée et qu'ils ont voulu ils l'ont ramassé mais ils ont voulu le vendre en esclave, ok, mais ils l'ont pas dit. Ils ont voulu le vendre en esclave mais ils l'ont pas dit, donc ils l'ont caché. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bima ya'maluna alim.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa qala alladhi ishtarahu min misr li imra'atihi akrimi mathwaak. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à celui qui a acheté d'Égypte, hein, prends soin de lui. Peut-être qu'on fera de lui un enfant, un fils, ou bien ouvre jeune homme, ouvre la porte, s'il te plaît. Barakallahu fik. Laisse-la rentrer un peu. Zid, ouvre. Voilà. Barakallahu fik. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, là c'est la première leçon, la première vraie leçon de Surat Yusuf. Wallahu ghalibun ala amrihi, walakinna akthar an-nasi la ya'lamun. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala dans son commandement, et Allah est souverain dans son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Allah est souverain dans son commandement, la plupart des gens ne savent pas. Ils ont voulu le jeter, ils ont voulu le tuer. Ses frères ont voulu le tuer. La caravane l'a vendu en esclave. Ok, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait de lui? Il fait de lui, il va vivre dans la maison du, pas du roi, mais du ministre. Ok, il va être dans une des plus grandes maisons d'Égypte. Allahu ghalibun ala amrihi wa lakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Qala 'abdi anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma urid. In ata'tani fi ma urid, a'taytuka ma turid. Wa in 'asaytani fi ma urid, at'abtuka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi, mon serviteur, toi tu veux et moi je veux. Si toi tu fais ce que moi je te dis, moi je veux, je te donnerai ce que tu veux. Mais si toi tu me désobéis dans ce que moi je veux, je te fais courir, hein, dans ce que tu veux et tu n'auras que ce que moi je veux. Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Ok? Et là, je parlais avec des frères sur Zawaj par exemple. Zawaj ou Al-Zab. Des fois tu joues le malin, un insan il joue le malin. Ah, mais Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu ghalibun ala amrihi, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il veut, hein, faire pas apparaître la vérité, il la fait apparaître. Ok? Mais Allah subhanahu wa ta'ala yabtalina. Allah subhanahu wa ta'ala yabtalina, bash, yabtalina, il y a des munafiqins parmi nous, il y a des gens qui sont là juste pour apporter, il y a des gens là pour casser les projets, hein, tu veux faire un projet de quoi? D'une école musulmane ou là une... Non, il y a des gens parmi nous. Il y a des gens parmi nous qui veulent casser le projet. Parmi nous, il vient, il dit Allahu Akbar, il fait la prière avec toi. Vous voyez, c'est la leçon que nous avons eu à l'Ikhwa. Parmi nous, plus loin, je vais vous dire. Si vous lisez la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète, c'est à Firuzwat Uhud. Quand à Uhud, il y avait le Qurayshim, il y avait 3000 personnes en face. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec 1000 personnes. Ok? Il vient avec 1000 personnes, même pas, 780, presque 800. Quand ils arrivent, ils voient les Qurayshites. À la tête d'un grand bataillon, il y avait 300 personnes. Kan Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Rasul Munafiqin, le plus grand des hypocrites à Médine. Quand il voit ça, il dit Gharra ha'oula idinou. Mais il croit quoi? Il croit qu'ils vont battre 3000 personnes. Allez hop, on revient à Médine. Ils sont revenus à Médine. Ils ont laissé le prophète, ils l'ont amoindri de 300 combattants. Okay? Mais pourquoi? Parce qu'il y avait le combat. Il y avait réellement le combat. Après Ghazwat al-Ahzab, si vous suivez un peu la biographie du prophète, après Ghazwat al-Ahzab, qui était la cinquième année, l'Ahzab, ils sont venus, c'est-à-dire les coalisés sont venus, ils ont entouré Médine, hein, ils ont voulu attaquer le prophète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de combat. Qui c'est qui les a fait déguerpir? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé une tempête sur eux, hein, ils ne voyaient plus rien. Ils ont levé le camp, ils sont repartis. Ils sont restés un mois, hein, à assiéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Ils sont restés un mois. Après la bataille de l'Ahzab, il n'y a plus eu de bataille frontale entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh. Donc du coup, les munafiqin, ils sortaient avec lui. Pourquoi? Ils espéraient le ghanaïm, ils espéraient le butin. Firazwat Tabouk, si vous lisez l'histoire, Firazwat Tabouk, elle était à la 9e année, après la conquête de la Mecque. Après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi l'islam dans la presqu'île arabique. Et qu'est-ce qui se passe? Les tribus qui étaient au nord et qui étaient liées aux Byzantins. Byzantins, dont la capitale était à Constantinople. Les Byzantins étaient fchem, hein, ils étaient faits en Syrie, en Palestine, et ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, tout ça. Donc il y avait des rois là-bas qui avaient un pacte avec les Byzantins. Ils voulaient attaquer les musulmans. Et le chef des Byzantins avait préparé une armée de 200 000 personnes pour attaquer les musulmans. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il attaque, il prépare une armée, il va les voir. Et il dit aux gens, venez avec moi. Ah, donnez-moi votre sa'idouni, aidez-moi à monter cette armée. Et c'est là, il y a une histoire extraordinaire. Omar ibn al-Khattab, il vient, il ramène au prophète sallallahu alayhi wa sallam la moitié de sa fortune. Qu'est-ce que tu as laissé à ta famille, Omar? Il dit, j'ai laissé la moitié de ma,
de ma fortune. Il avait 10 000 euros, il a donné 5 000. Il avait 100 000 euros, il avait 50 000. Allah sallam, il lui fait des doigts, il lui fait des invocations. Juste après, il y a Abou Bakr qui vient. Et il lui dit, tiens, il lui dit, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille, à Abou Bakr? Il lui dit, j'ai laissé Allah wa Rasul. Il a tout donné. Allah wa Rasul, il a tout donné. Amr al-Khattab, il dit, à chaque fois qu'on veut faire un geste, Abou Bakr, il est plus fort que nous. Et elle a été née contre Sha'aratan, fils de Abou Bakr. J'aurais souhaité être un poil dans le torse d'Abou Bakr. Tellement, regardez, c'est pour ça qu'il a été choisi premier calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et c'était au camp, c'était au mois de juin. C'était au mois de juin. Au mois de juin, là où il y a les récoltes. Hein, là où il y a les récoltes, fait le Madina. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il monte une armée et il va jusqu'à Tabouk. Quand vous êtes à Médine, aujourd'hui, hein, quand vous êtes à Médine, vous regardez Tabouk, 700 km. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait 700 km à pied. En plein cagnard, comme on dit. Il fait chaud, ok ?